Bonjour à tous, c'est Daphné. Aujourd'hui, je suis trop contente de vous retrouver pour du arc et particulièrement du Aberration. Ça y est, le DLC est enfin sorti et moi, j'ai enfin fini de le télécharger. J'ai une connexion en carton. Donc forcément, bah voilà, les 15 gigas, c'est pas trop bien passé. Surtout que j'ai eu un bug en plus de Steam. Enfin bref, voilà, il m'avait fait perdre tout ce que j'avais téléchargé. Donc j'ai eu un peu la mort. Ce qui fait que l'épisode arrive que maintenant. Mais bon. Mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Je vais donc vous faire une série aberration. Ce sera une série de survie. Voilà. Alors ce sera une survie entre guillemets améliorée. Améliorée dans le sens où il y aura quand même des rates qui seront poussées. Notamment la récolte. Si je dis pas de bêtises, elle est en x5. L'XP n'est pas changé par contre. C'est toujours du x1. Dans l'idée, on ne change pas en fait. Il y a juste voilà, la repro qu'on pousse un petit peu forcément. Parce que la repro sinon ça prend 1000 ans. Et quand on aime bien faire des bébés, c'est plutôt cool que ça aille un peu vite. Idem pour le timing, c'est amélioré, mais voilà, c'est pas non plus trop pété. J'ai pas 4 heures à passer sur un Rex, par exemple. Donc voilà, c'est quand même amélioré. Le serveur, il n'est pas à moi, j'y suis invitée, si je puis dire. C'est un serveur donc qui est fermé, il n'y a pas de place, je suis désolée, vous ne pouvez pas jouer avec moi à Aberration. Un jour peut-être, ne jamais dire jamais, comme on dit. Mais voilà, pour ce serveur-là, c'est un serveur fermé, qui est donc multi. Je vais y jouer avec des copines. Les filles que vous avez déjà vues sur la chaîne, et quelques copains également, mais dans la priorité ce sera les filles, les garçons ne vont pas jouer tout de suite à ce que j'ai compris. On aura quelques modes également, on en a 3 pour le moment. Un pour les coupes de cheveux et les émotes, parce que moi la coupe de arc, j'en ai marre de la touffe de arc, c'est moche, je suis désolée, c'est pas possible. Donc voilà, moi j'ai demandé à avoir celle de la coupe de cheveux, j'admets. Un mode de stack aussi, parce que le stack de arc, c'est pas folichon, folichon. Et le dernier mode, donc ça c'est pour faire plaisir à une des filles, c'est un mode de sel. Alors pas de sel pété, hein, juste, c'est des sels jolis. Voilà. Par exemple, les trissés, voilà, il y a des sacs sur les côtés avec des fruits et légumes dedans. Enfin, voilà, c'est un exemple parmi d'autres, hein, mais il y a plein de sels pour les raptors, les parasaures, etc. Donc voilà, on a intégré ce mode-là. Pour l'instant, il y en a 3. Si jamais ça change, de toute façon, je vous les mettrai à chaque fois sous la barre d'infos pour chaque épisode. Petit détail concernant Aberration. Aberration est un DLC payant, et pour pouvoir y jouer, il faut le jeu de base de Ark, bien sûr. Le DLC, à l'heure où je vous parle, donc c'est-à-dire quasiment à la sortie, hein, il est à 19,99€. Il se prend via Steam, donc je vous mettrai son lien dans la barre d'infos de toute façon, si ça vous intéresse pour l'acheter et y jouer, voilà. Je pense que c'est un DLC qui va valoir le coup, alors c'est un univers où il faudra accrocher tout de même, mais bon, voilà, ça devrait valoir le coup. Et bien écoutez, je ne parle pas plus, c'est parti. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, il n'y a pas vraiment le tout début pour la simple et bonne raison que j'ai fail sur l'enregistrement. J'avais coupé mon micro. Voilà, donc en gros vous avez raté mes 30 premières minutes sur Aberration, je dirais. Mais c'est pas grave. En soi, j'avais pas découvert grand chose. J'avais juste découvert l'existence de plusieurs types de champignons. L'existence aussi qu'on mourrait très facilement. Bon, ça je pense que je vous apprends rien. Voilà, je me suis fait bouffer le cul par des basiliques, je crois que ça se dit comme ça, et les raptors aberrants, voilà, forcément. Donc voilà, mais je me retrouve quand même cul nu, parce que voilà, la dernière fois que j'ai coupé, bah voilà, j'avais rien sur moi. Mais vraiment, vous avez raté que mes 30 premières minutes, hein, parce que sinon, Aberration, je me suis pas du tout spoilée, donc je suis au courant de rien, je sais rien, et c'est pas plus mal comme ça, voilà, je voulais pas être spoilée en fait. Donc voilà, je m'étais contentée du strict minimum, à savoir, il y a des nouvelles bébêtes, ça va être creepy, et tout va bien se passer. Voilà. Bon, il y a un raptor là-bas, même 2 raptors là-bas. C'est bien, c'est qu'ils brillent, du coup la nuit on les voit. Voilà, oh non, 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 tu m'as pas vu, regarde, je suis un buisson. Qu'est-ce que t'en penses? Non, t'es pas de cet avis. Bon bah vas-y, bouffe-moi. Fille qui lutte quand même pour sa vie. Elle met quand même des coups de poing, elle a espoir qu'il meure ou qu'il s'évanouisse, mais non. L'espoir fait vivre, l'espoir fait vivre. Ah là 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 là. Bon, ça va être un petit épisode découvert de toute façon, c'est ce que je vous avais dit dans mon premier tournage, si je puis dire. C'est vraiment que de la petite découverte. Il y aura des épisodes qui seront tournés en multi, ce sera sûrement le cas du prochain d'ailleurs. Je vais sûrement jouer avec les filles du serveur. Bon, il y a des garçons aussi, mais dans un premier temps, je vais jouer avec les filles. Les garçons, ils sont pas dispo, donc voilà, ce sera les filles d'abord.
des filles que vous avez déjà vues sur la chaîne de toute façon. Bon, à part de sauter de caillou en caillou. Oh! Regardez, il y a un scorpion. Non! Oh non, il va me choper du coup. Bon, on va aller voir ailleurs si on y est en fait. C'est pas pour dire quand même, mais j'ai pris la zone la plus facile, hein, parce que c'est easiest. Hein. Donc, easiest, ça veut dire la plus facile. La plus facile, je me suis déjà fait bouffer le cul, je sais pas combien de fois. C'est un peu chiant. En plus, il n'y a pas d'eau. Parce qu'il y a... C'était ça aussi mon problème dans mes 30 premières minutes de jeu. Il n'y a pas d'eau. Donc, ou alors je ne l'ai pas encore trouvé, ça c'est possible. Mais il n'y a pas d'eau. Donc, voilà, je... C'est fâcheux. Parce que sans eau, bah, je suis un peu dans le caca. Sans vouloir dire ça bizarrement, mais... Allez, on va essayer de se restuffer un petit peu. Au niveau des rails, voilà, comme vous pouvez voir, c'est multiplié. Ça, c'est sûr. On récolte beaucoup plus qu'en serveur classique. Oh, un dodo! Je n'avais pas encore vu un. Dodo aberrant. Si. Il est classe pour un dodo. Dodo, j'avais pas encore vu. J'ai déjà vu les espèces de petits chiens, là. Mais bon, les petits chiens aussi, ils sont trop kiki. De base, j'étais pas fan, parce que j'avais forcément vu quelques espèces via les annonces, en fait, sur le wiki, hein, tout simplement. J'avais regardé quelques espèces. Je trouvais pas si ouf que ça. Et puis finalement, je l'aime bien, en fait. Il a une bonne tête de bonnet. Il me plaît bien. Et vous savez, le bonnet content, en plus. C'est ça qui est rigolo. Il est heureux de sa vie. Eh, mais il faisait tout noir à l'ombre. Oh, la différence, quoi. J'aurais pas parié qu'il était violet. Hein. Tu risques de mourir, dodo. Je te préviens. Tu es plus haut level que moi, mais quand même, je te tuerai. Ça... Non, ça, je l'avais appris, donc c'est l'engramme des cheveux et des emotes. Ensuite... Arme, je peux rien faire. Super. Pas même une pioche. Ah, j'ai pas de cailloux. Je n'ai pas de cailloux. J'aimerais ramasser des cailloux, s'il vous plaît. Non, petit caillou. Ils sont sérieux? Je peux rien ramasser? Non. Je peux pas ramasser de cailloux. D'accord. Ah, ça y est. Bon, visiblement, on est en x5. Parce que un caillou, ça fait 5 pierres. Donc, je pense qu'on est en x5. Déduction logique, non? Allez, une pioche. On va essayer de se restuffer un petit peu, hein, même si c'est que de la découverte. On est quand même dans la survie. Donc, il va bien falloir avancer un petit peu. Allez. Hop, on va prendre du silex ici. Pour au moins avoir le minimum, quoi. Parce que là, j'aimerais bien partir par un peu plus loin. De toute façon, ici, il n'y a pas grand-chose. Hein. C'est que des champignons, l'espèce de carcasse en métal rouillé, là. Et puis voilà, quoi. Hop. Alors, une hache, une torche, puis qu'est-ce qu'il me faut? Du bois. J'ai plus de bois. On va ramasser du bois, c'est pas gênant. Avec la hache, on peut tout faire. Alors attendez, je vais mettre mes raccourcis comme je fais d'habitude. Allez. Oh non, je suis déshydratée. D'un côté, j'arrête pas de courir partout aussi, c'est ma faute. Ah, je ramasse pas de bois là-dessus. Cette espèce de truc là, il y a du bois? C'est non. Il n'y a pas de bois. Il n'y a pas de bois. Il n'y a pas de bois et j'ai soif. Et j'ai soif. Bon. Allez, c'est pas grave. On va prendre les baies bleues. Ce sera toujours ça de fait. Et pff, du bois, quoi. Comment j'avais eu du bois? Je sais pas. Ah oui, si, je sais comment j'avais eu du bois. Il y avait eu un tremblement de terre. Alors, c'est, il faudra qu'on m'explique. Il y avait eu un tremblement de terre. Et genre, il y a des boîtes qui popaient du sol. Je vous mettrai là les images. Parce que même si j'avais pas le son, bah, j'avais les images quand même en enregistré. Je vous les mettrai. Il y avait des boîtes qui popaient du sol. J'ai pas compris. Donc, si quelqu'un sait, qu'il parle maintenant. Ou se taise à jamais. Parce que ça, pour le coup, moi, j'aimerais bien savoir. Pourquoi il y avait des boîtes qui popaient du sol avec un tremblement de terre? J'ai pas compris.
Alors, genre, pas du tout. Bon, il n'y a pas de bois, c'est pas grave, on s'en va. Allez. On va y aller au talent. On continue de ramasser des baies parce qu'on est déshydraté. Ah mince, je suis surchargée. Qu'est-ce que j'ai trop? Ah ouais, ça là. Ça, je sais pas à quoi ça sert, mais bon, on va jeter. Parce que c'est trop lourd. Voilà. Ah non! Hallucination, mais non! Mais ça, c'est trop chiant parce qu'au début, je croyais qu'on pouvait en réchapper quand ils nous disaient bah remontez vite à la surface, mais on peut rien faire en fait. Il y a un décompte là en bas à droite de l'hallucination, et puis voilà quoi, on n'a pas le choix. Super, j'en suis tombée dans les pommes. Joie et bonheur. C'est quoi le truc qui se rapproche de moi là? Je vois pas ce que c'est. Réveille-toi, cocotte! S'il te plaît. Sinon, ça va mal se passer. Réveille-toi. Réveille-toi. C'est quoi? Ah, c'est un chien! Ouais! Bon, c'est pas un chien, hein. Ça s'appelle un bulldog. Bulbe dog, pardon. Et ça mange des champis. Parce qu'en fait, à un moment donné, j'ai pris tous les champignons que j'avais dans mon inventaire. Je pourrais le refaire à un moment d'ailleurs. J'ai mis les 4 sortes de champignons qu'il y avait dans mon inventaire et je m'étais amusée à tester à les manger. Voilà, pour voir ce que ça donnait. Alors, on risque rien en mangeant n'importe quel type de champignon de ce que j'avais ramassé. Mais par contre, vu que j'en avais un dans mon inventaire, et ben lui, il voulait le manger. Il voulait manger l'aquatique. Alors, je sais pas s'il mange les 4 types, mais en tout cas, l'aquatique, il mange. Donc, si vous voulez lui donner à manger des champignons aquatiques, ça marche. Oh, de l'eau! Vous croyez que je peux sauter? Dis. Et. Vous voyez que je peux sauter? Allez. De toute façon, j'ai plus de vie. Point, j'en suis. Yaaaaah! Suis pas morte. Nananana. Ah là, non, il y a... Oula. Oh. Oh que t'es moche. Oh que t'es pas beau. Toi, tu portes bien ton nom. Tu es une aberration. Ah. Oh! Oh, c'est joli un moche shop aberrant. T'as vraiment une tête de rat. Tu t'appelles un wall rat. D'accord. T'es pas agressif, c'est déjà pas mal. Bon, on va pas te tamer, puisque voilà. On a dit c'était de la découverte. Donc. Non! Pourquoi? Et qui que? Oh! On peut rentrer dans ton tout? Non? Ah, ok, on rentre pas. Il y a un trou? Ah, il est pas content. Oh la vache, il m'a one shot. Je lui ai piqué ses bijoux, il t'a dit. Il m'a dit, tu te fous de ma gueule. D'accord, ah ouais, j'étais partie jusque-là quand même. Bon bah j'ai encore fait un stuff que j'irai jamais chercher sûrement. Super. Vous voyez, je me fais tout le temps bouffer le cul. C'est une catastrophe. Une catastrophe. Mais ouais, ces petites pierres vertes là, je sais pas encore à quoi ça sert. C'est des cristaux, hein, visiblement, parce que vous voyez, il y a ceux-là aussi là. Ceux-là, on tape dessus avec une pioche, ça nous donne la même chose. Donc, ça nous donne pierre, cristal et les petits gemmes verts là. Mais je ne sais pas à quoi ça sert. Donc bon, on verra bien. On a encore pris un niveau. Ça, c'est top. Ça, c'est top. Hop. Bon, il faudrait peut-être que je vous remonte un basilisque, du coup, pour la blague. Je sais plus si c'est basilic ou basilisque. Je m'en rappelle plus. Je ne me rappelle plus. Qu'est-ce qu'on va mettre? De la vitesse. Allez, soyons fous. Ensuite, genre, on peut faire la salle de film. L'utilité. Ouais. Un cadre de porte en chaume. On va prendre le stuff. Hein. La gourde, faudra qu'on la fasse. Mais de toute façon, on n'a encore pas tué de bête qui donne de peau. Alors, puis de toute façon, j'arrête pas de mourir. Je n'arrête pas de mourir. Donc ça sert à rien. Je vais peut-être vous montrer un petit peu la plateforme là en toute métallique rouillée. Ça peut peut-être être intéressant. Parce que de base, c'est là qu'on pop. Enfin, c'est là que moi j'ai atterri en tout cas. Quand je suis arrivée de base, j'étais tout en haut de cette chose. Et je veux monter, je veux monter. Laissez-moi monter. Allez, encore. Vas-y. Ouais.
Je me fais chier, sache plus qu'il y a un chemin beaucoup plus facile, genre lui, voilà. Daphné. Daphné qui n'a encore plus d'énergie, super. Alors là-haut, il y en avait des espèces de serpents, là. Bon, je dirais pas volontairement leur dire bonjour, mais en général, de toute façon, on n'a pas à leur dire bonjour, c'est eux qui viennent. Allez. Donc voilà, de base moi j'ai atterri là-dessus. Alors j'ai atterri un peu plus là-bas, je crois que c'était. Ouais, j'étais là-bas. J'étais en dessous des cerceaux là-bas. Bah là où il y a l'iguanodon et le paracère en fait. Je sais pas si vous verrez bien voilà la vidéo, mais je pense que oui. Oh, j'ai déjà soif. Et là je sais ce que vous allez me dire. Oui mais Daphné, t'arrêtes pas de courir. Oui, je sais. Mais d'un côté, tout le monde veut me bouffer et moi j'aime pas être trop lente. Oh, le petit chien, il fuit. Pourquoi tu fuis? Oh, 92, le chien. Et vous voyez, normalement, là, si je mets... On va tester avec un autre champignon, tiens. On va voir, est-ce qu'il mange tous les champignons ou est-ce qu'il mange que le dernier? Bon, je vais pas le tamer parce qu'il va mourir, Bichette, s'il me tame avec moi. Mais viens. Ah, t'as peur? Pourquoi t'as peur? Bon, faudra qu'on teste sur un autre. Oh, il y a un mouton. Bonjour. Pourquoi tout le monde fuit et moi, je fuis pas? Ah, il y a un paracère en haut du champignon. Vous croyez que c'est normal? Je crois pas. Mais bon, il a l'air heureux. Allez, on va re-ramasser des baies bleues, hein, pour la 1000ème édition. La soif, c'est chiant. La soif, c'est franchement chiant. Hop, je commence déjà à avoir de la torpeur. Ça va être sympa cette map. Hein. Déjà quand j'avais atterri sur Scorch, je m'étais dit, bah dis donc, quel bordel. Mais alors là, c'est pas mieux quoi. On a ça aussi en nouvelle petite bébête. C'est un glowbug, je crois. Ouais, c'est ça, glowbug. Ça se tape? Attendez. Ah, j'arrive pas à lire. Hé, reviens. J'arrive pas à lire. Il y a une phrase qui se met, mais j'arrive pas. Put. Mettre de la batterie à l'intérieur. La batterie. Pourquoi de la batterie? Ah oui, c'est ça, c'était là que j'avais atterri. J'avais atterri, il y avait lui là. Dès que j'ai atterri, lui il m'a cherché des poules à Diplodocus. Ce sont les Diplodocus, c'est des teugs. Hein, voilà. Ils arrivent, ils mettent des coups de tête, ils se la pètent. D'accord. Moi j'aime pas les Diplodocus. Enfin, j'aime pas. J'aime bien les diplodobus. Voilà, quand on met la salle, ils sont rigolos. Mais sinon, non. Alors, je vais remanger les baies. Et je vais tester ce que je voulais tester sur l'autre petit chien qui fuyait. Alors oui, moi je vais les appeler les chiens. C'est pas des chiens, mais je vais les appeler les chiens quand même. Ok, donc non, ils mangent pas n'importe lesquels. Ils mangent ceci. Les bleus. C'est ça. Donc eux, ils mangent les aquatic mushrooms. C'est déjà pas mal. Donc là-bas, on a du raptor, du stego. Ah, il y a le serpent. Attendez, je vais vous le montrer. Bon, je pense qu'il va me voir avant que je vous le montre. Je crois qu'il nous a vus. Bon, attendez, on va mourir dans la dignité. On va le regarder dans les yeux. Je sais, il faut pas regarder un basilic dans les yeux. C'est Harry Potter qui me l'a appris. On peut pas se cacher avec le Diplodocus. Jean. Jean là. Il nous cherche des noises. Ah! 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 Non! Ah! Tremblement de terre. Regardez! Il y a re des boîtes qui popent du sol. Expliquez-moi. S'il vous plaît. Pourquoi il y a re des boîtes qui popent du sol, quoi? Hop, alors nous y revoilà. Voilà, c'est le PC qui a crash. Ce sont des choses qui arrivent. Je ne sais pas pourquoi par contre il a crash. Mais bon, on va pas chercher. J'ai pas les dieux contre moi, on va dire. Il y a un truc, c'est obligé. Bon, visiblement je me suis pas fait bouffer. Ah, il est toujours là, Jean-Mi. Ah, il veut manger une boulette. Enfin une boulette, un Doidicurus, mais c'est une boulette quand même. Bon, est-ce qu'on se fait bouffer ou pas par lui? Parce que de base, c'était un peu ça le délire, quoi. C'était vous le montrer
en dernier, quoi. Montrer à quoi il ressemble, le Popeye. Ah, il nous a vu. Bonjour. Raté. Ah, tu m'as pas raté longtemps. Donc c'est un basilisque et pas un basilic. Voilà, joie et bonheur, merci. Bon, bah moi qui de base pensais me faire une boîte avec une petite construction dans un coin pour ranger mes affaires, bah au final j'ai rien à ranger parce que j'ai pas de stuff. Voilà, super. On est content. Bon, bah je pense que je vous ai montré ce que j'avais envie de vous montrer. Voilà, enfin envie. Ce qu'il y avait à vous montrer, tout du moins pour une découverte. Alors vous en faites pas, hein, toute la map on va la voir, ça y a pas de souci. Pour l'instant, j'ai fait que ça, mais voilà, ça va avancer, hein, c'est juste le début. Le prochain épisode sera un épisode en multi, où là, très franchement, on va avancer un peu plus, je pense, tout du moins j'espère. Histoire de commencer à poser quelques fondations, se poser quoi. Voilà, je vais faire un coin où on se fait pas bouffer trop le cul. À côté de l'eau, ça me paraît pas mal, mais bon, on verra ça. En termes de fréquence d'épisodes, parce que ça je ne vous l'ai pas dit, je pense en faire 2 voire 3 par semaine pour l'instant. Je sais pas trop, ça va dépendre de la place qu'il y a sur la chaîne, entre guillemets, du temps que j'ai également. Pourquoi il y a de la musique de combat? Qu'est-ce qui va me bouffer? Oh non! Mange, mange le glowbug! Non, pas moi! Va-t'en! Ah, il m'a endormi. Le con, il m'a endormi. Donc oui, niveau fréquence d'épisodes, on peut jamais être tranquille, n'empêche. Pour la fréquence, je pense faire 2 à 3 épisodes. Donc vous en aurez un demain, vendredi, c'est sûr. Pour l'instant, je prévois mercredi, vendredi, le troisième jour, je sais pas trop encore. Mais mercredi, vendredi, c'est sûr, vous en aurez un à chaque fois. Et bien écoutez, je vous dis donc à demain pour du aberration. Et à tout de suite sur la chaîne pour tout le reste du contenu qu'il y a. Bye bye les kikis.